Jésus est fidèle.
J'aimerais ce midi que nous puissions ouvrir nos Bibles dans l'Épître aux Hébreux. Hébreux, nous allons lire notre passage de base dans ce livre. Hébreux, au chapitre 4, nous allons lire juste pour commencer, d'abord ces quelques deux versets, le verset 15 et le verset 16. Hébreux 4, le verset 15 et 16. Vous y êtes? Devons aimer la parole de Dieu. Je vais nous inviter à nous lever pour la lire. Amen. Voilà, ne soyons pas fatigués dans la présence de Dieu. Tenons-nous debout et lisons la parole de Dieu. Je sais que nous ne le faisons pas souvent, mais ça vaut la peine. Amen. C'est une façon d'honorer Dieu et d'honorer sa parole. Hébreux chapitre 4, à partir du verset 15, nous lisons versets 15 et 16. Je vais même commencer au verset 14. Il dit ainsi, « Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. » Verset 15, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. » Qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Verset 16, il dit, « Approchons-nous donc avec assurance. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. J'aimerais juste cet après-midi nous parler du trône de la grâce. Quelqu'un du trône de la grâce. Les livres ou l'épître aux Hébreux, c'est un livre qui cause un peu des problèmes, pas des problèmes difficiles ou des problèmes qui peuvent faire qu'on ne croit pas en la parole de Dieu, mais des problèmes qui montrent que c'est réellement un livre inspiré, un livre mystérieux. Amen. Dans le sens que lorsqu'on le lit, il y a beaucoup de raisons que les érudits bibliques donnent pour dire on ne sait pas qui réellement a écrit cette épître aux Hébreux. Il y en a qui supposent que c'était l'apôtre Paul lui-même parce que la forme est vraiment la façon d'écrire de Paul, surtout la formule finale. Amen. Mais il y en a aussi qui disent que c'est peut-être un de ses coéquipiers parce que lui, l'apôtre Paul, a souvent l'habitude, avant d'écrire dès la première phrase déjà, il dit, il signale que ça vient de lui, l'apôtre Paul. Quelqu'un dit Amen. Alors, ça, c'est un des problèmes, mais dans le fond de ce livre lui-même, c'est un livre qui traite de la supériorité de Jésus-Christ, notre Seigneur. Supériorité de Jésus, suivez-moi bien, parce que c'est la base que nous voulons poser pour que nous comprenions ce passage et même d'autres qui viendront. Ce livre, l'Épître aux Hébreux, est un livre qui démontre la supériorité de Jésus-Christ, n'est-ce pas ? Premièrement, sur Moïse lui-même, le plus grand des prophètes, Jésus est supérieur à lui. Deuxièmement, c'est un livre qui démontre la supériorité de Jésus sur les anges de Dieu lui-même. Quelqu'un dit Amen. Jésus n'est pas un ange, Jésus est supérieur aux anges. Supérieur à Moïse qui est considéré comme le plus grand des prophètes. Non seulement cela, mais c'est un livre qui démontre également la grandeur du sacrifice que Jésus a donné pour dire qu'il est supérieur même aux Lévites, ceux-là qui offraient des sacrifices dans l'Ancien Testament, parce qu'eux, ils offraient des sacrifices qui venaient de l'extérieur, des sacrifices des animaux qu'ils égorgeaient et qu'ils offraient à l'Éternel. Mais Jésus-Christ,
selon la description de cette épître aux Hébreux, la Bible nous dit clairement que lui, il s'est offert lui-même. Il est entré dans le tabernacle de Dieu, non pas avec le sang des boucs ni des taureaux, mais avec son propre sang. Quelqu'un dit amen. Il est entré avec son sang précieux et il a déchiré le voile, il s'est présenté devant Dieu. Il est saint, il est pur et l'alliance que nous avons en lui est une alliance supérieure à toutes les alliances de la Bible et de la parole de Dieu. J'aurai le temps de le démontrer dans d'autres messages dans les jours qui viennent. Quelqu'un dit amen. Et ayant mis tout cela en somme, l'apôtre qui écrit ici, il dit, quand on considère, il dit même que lui, il est, nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Lui, il s'appelle Jésus, le Fils de Dieu. Alors, dans ce cas, demeurons fermes. Dans ce cas, non seulement il dit demeurons fermes, mais il dit beaucoup plus que nous devons nous approcher avec assurance du trône de la grâce de Dieu. Quelqu'un dit amen. C'est là le but de mon message ce midi, durant ces quelques instants. C'est juste nous parler de nous approcher du trône de la grâce. Pas seulement nous approcher n'importe comment, mais nous approcher avec assurance. Quelqu'un dit l'assurance. Nous approcher avec assurance. C'est quoi s'approcher avec assurance? Lorsqu'un enfant s'approche de son père, lorsqu'un enfant s'approche de sa mère, l'enfant ne s'inquiète pas de ce que le père a ou il n'a pas. Oh, quelqu'un dit amen. L'enfant ne va pas s'occuper ou se préoccuper de ce que le père ou la mère a ou n'a pas. Il s'approche avec assurance. Cette assurance-là peut le pousser même à pleurer devant son père. Quand il veut du pain, il va dire, « Papa, je veux du pain. » Que le père lui dise qu'il n'a pas l'argent ou pas, il peut tomber, il commence à pleurer parce qu'il veut quoi? Le pain. Ne pas avoir l'argent, ce n'est pas son problème. Quelqu'un dit amen. Ne pas avoir les moyens, ce n'est pas son problème. Tu es père, tu dois te débrouiller pour lui trouver ce dont il a besoin. Il s'approche avec assurance. Bien-aimé, aujourd'hui, nous avons tout ce qu'il nous faut. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons le temps de prier. Nous donnons nos dîmes, nous donnons nos offrandes. Mais quelque part, les enfants de Dieu ne s'approchent pas du trône de Dieu avec cette assurance. La Bible nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. On ne peut pas définir la foi autrement qu'une assurance. Quand tu as l'assurance, même dans ce pays, tu as l'assurance les plus vulgaires, l'assurance vie ou l'assurance voiture, n'est-ce pas? Eh, allô? Quand tu as l'assurance, d'abord, entre parenthèses, il faut avoir l'assurance. Quand tu as l'assurance, tu conduis, même si un accident arrive, tu vas dire que je suis assuré, je n'ai pas de problème, parce que mon assureur va prendre soin de cela. Alléluia. Mon assureur va s'en occuper. Que ce soit ta faute ou pas. C'est pourquoi nous disons, il faut payer l'assurance. Dans ce pays, si tu n'as pas l'assurance et tu conduis, c'est une infraction. On t'arrête, on peut te mettre en prison. Amen. Alors, cette assurance-là, tu l'achètes, tu la payes, et puis tu commences à conduire, tu as l'assurance, tu es en paix. J'aimerais te dire qu'il y a une assurance que Dieu voudrait que nous ayons, c'est l'assurance de notre foi. Alléluia. L'assurance de notre vie, l'assurance par rapport à tout ce dont nous avons besoin, l'assurance de notre victoire, l'assurance avec laquelle nous nous approchons du trône de Dieu. Non pas parce que toi et moi nous avons payé ou nous allons payer, mais parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà payé. Parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà payé. J'aimerais cet après-midi susciter ton assurance afin que tu puisses réaliser que même les prières que tu as faites durant déjà 11 mois, bien-aimés, ne sont pas des prières perdues. Ne sont pas des prières perdues. Toutes les fois que tu t'es approché du trône de Dieu, Dieu voudrait que tu t'approches avec assurance. Parce que Jésus-Christ a déjà tout payé. Il a tout payé comme nous le chantons souvent. Nous allons en parler ce soir. Amen. Vous savez, dans le temps, les gens avaient difficile de s'approcher des rois. Vous êtes avec moi? Dans le temps, les gens avaient difficile. On ne s'approchait pas des rois
ou des empereurs de n'importe quelle façon. Il fallait que l'empereur... Vous connaissez l'histoire d'Esther? Vous êtes là? Vous connaissez l'histoire d'Esther? Esther, son propre mari qui était roi. Esther ne pouvait pas l'approcher pendant que son peuple était en danger. Il a fallu qu'il soit stimulé par Mardoché. Et pouvez-vous imaginer, pour aller t'approcher de ton mari, tu dois jeûner et prier. Et je ne sais pas si vous comprenez ça. Esther l'a fait, non? C'est juste une illustration pour vous montrer que dans le temps, il n'était pas facile d'approcher un roi. Parce que son propre mari, pour l'approcher, Esther Mardoché lui dit, eh bien, tu dois parler à ton mari, tu dois parler au roi, voici notre peuple est en danger. Elle dit, ça fait un mois tout entier qu'il ne m'a même pas tendu le sceptre, parce que pour t'approcher de ton propre mari, il devrait te tendre le sceptre quand il te voit pour dire, ok, tu es la bienvenue, viens aujourd'hui. Amen. Mais Esther n'avait pas eu de ça. Alors elle a dit, eh bien, dans ce cas, on doit jeûner, on doit prier pour que j'aie l'occasion de m'approcher de lui. Juste pour vous dire qu'il n'était pas facile de s'approcher des rois. Et ça, ce sont juste des rois, des petits rois qui ont eu le temps de régner pendant quelques années et qui sont passés. Je nous parle de l'assurance. Mais toi et moi, la Bible nous parle d'un roi qui n'est pas n'importe lequel. Il est le roi des rois. Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. La Bible nous dit qu'il a vaincu les nations, les principautés, les dominations. Et il est entré dans les lieux célestes. Il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Parce que Dieu lui a dit, assis-toi à ma droite. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Au moment où nous parlons, bien-aimés, notre Seigneur Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu. À la droite de la majesté divine. Nous devons savoir que peu importe ce que nous voyons ou ce que nous ne voyons pas, mais nous avons un roi, visible ou non, il est assis à la droite de la majesté de Dieu. Il est assis à la droite de Dieu, il règne et il trône. Dans le sens que personne ne peut surpasser sa parole. Dans le sens que personne ne peut dépasser son règne. Et il nous dit ici que approchons-nous de ce trône, parce que son trône, c'est un trône d'assurance, un trône de grâce. Quand tu es malade, tu t'approches étant assuré que je serai guéri. Touche d'abord quelqu'un, dis-lui que je serai guéri. Quand tu t'approches de son trône, quel que soit ce que tu as eu comme difficulté, tu dis que cette difficulté trouvera la solution. C'est ça l'assurance. C'est pourquoi je vais vous donner l'illustration du bébé, de l'enfant. Quand il s'approche de sa mère ou de son père, il veut à tout prix, même s'il faut pleurer, il fait quoi? Il pleure parce qu'il dit que je veux le pain. Tu es mon père, tu m'as engendré, je veux ce dont j'ai besoin. Oh, quelqu'un dit amen. C'est pourquoi l'apôtre ici écrit, il dit, approchons-nous. Il ne dit pas approchez-vous, il dit approchons-nous, lui-même y compris. Parce qu'il a remarqué que très souvent, nous venons, mais nous n'avons pas d'assurance. On n'a pas l'assurance dans la maison de Dieu que ce que j'ai demandé, je le verrai, ce dont j'ai besoin, ça s'accomplira certainement. En cette fin de l'année, j'aimerais exhorter quelqu'un, peu importe ce que tu as vu, durant les 12 mois ou les 11 mois qui viennent de passer, j'aimerais te rassurer, ton Dieu veut que tu saches que tu t'es approché du trône de la grâce. Parce que tout ce que nous avons, tout est grâce. Oh, quelqu'un dit amen. Tout est grâce. La Bible dit, ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de celui qui fait miséricorde. Il élève qui il veut et il rabaisse qui il veut. Mais toi et l'assurance que tu es celui qui est parmi les gens que Dieu a mis sur la liste d'élévation. Quelqu'un dit amen. Dieu veut t'élever, peu importe les temps et les circonstances, parce que tu t'approches du trône de sa grâce. Quelqu'un dit la grâce. Nous définissons souvent la grâce comme étant une faveur imméritée. Amen. Une faveur imméritée. Et c'est réel, c'est vrai. Parce que parmi nous, personne ne mérite. Alléluia. Vous êtes avec moi? Suivez-moi très bien, je ne voudrais pas que vous ratiez quelque chose ce midi. Parmi nous, tels que nous sommes là,
personne ne mérite. Même ce que nous avions eu dans le temps passé, même ce dont nous aurons besoin dans l'avenir, personne ne mérite. Mais il y a quelqu'un qui a mérité ça pour toi et pour moi. Il y a quelqu'un qui a mérité, si c'est la guérison, il a déjà mérité ça. J'aimerais que tu aies une foi fondée qui a une base d'assurance, où tu te rassures que tout a été déjà payé. C'est ça au fait le christianisme. Le christianisme, ce n'est plus nous qui payons, mais quelqu'un a déjà payé. C'est payé. Touche quelqu'un, dis-lui que c'est payé. Nous ne chantons pas, ce ne sont pas des slogans, mais quand tu as la foi, tu saisis un message pareil et tu vois de grandes choses s'accomplir dans ta vie. Dis amen bien. Parce que Jésus-Christ a déjà tout payé. Je vais nous faire comprendre par une bonne histoire dans la parole de Dieu. Souvent nous lisons cette histoire et nous passons, mais je veux que nous comprenions que Dieu dans sa sagesse, il avait déjà prévu. Il y a des choses qui se sont passées dans les temps que l'on ne comprenait pas. Mais c'est avec l'accomplissement, le Nouveau Testament, l'accomplissement du plan de Dieu que nous parvenons à accomplir. Allons un peu dans Genèse rapidement. Genèse chapitre 27. Je vais nous montrer quelque chose dans l'histoire d'Isaac, avec Ésaü et Jacob. Tout est grâce. Amen. Pourquoi il nous dit « Approchons-nous donc avec assurance ». Parce que cela a déjà été payé et il y a une façon que Dieu nous voit. Ésaïe 27, je vais lire, pardon, Genèse, merci, donc vous me suivez. Genèse chapitre 27, je vais lire calmement cette histoire. Lisez bien pour comprendre, je vais commencer même à partir du verset 15. La Bible dit ensuite, Rebecca prit les vêtements. Notez bien. Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné. Notez bien le fils aîné. Il prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre sur qui? Il les fit mettre sur Jacob, son fils cadet. Il prend les habits de l'aîné, il fait mettre sur son fils cadet. Verset 16. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil, parce que l'aîné était velu. Amen. L'aîné avait beaucoup de poils sur son corps. Alors on a pris la peau des chevreaux et on a mis sur Jacob son fils. Et verset 17, et elle plaça dans la main de Jacob son fils le mets et le pain qu'elle avait préparé. Verset 18, il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, me voici, qui es-tu mon fils? Ça, c'est une question embarrassante. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Suivez-moi bien. Nous parlons de nous approcher du trône et de la grâce avec quoi? Avec assurance. Ici, Isaac est comme celui qui est assis. Il est comme le roi assis sur le trône de la grâce. Mais maintenant, Jacob veut s'approcher pour obtenir quoi? La grâce et la bénédiction. Vous êtes avec moi? Maintenant, il s'approche. On lui pose une question. Qui es-tu, mon fils? Question embarrassante. Vous savez, lorsque on te pose la question qui tu es, très souvent, lorsque quelqu'un pose la question de qui tu es, il y a deux sentiments. Il y a deux sentiments. Premier sentiment, tu as le sentiment de te fâcher. Si la personne est supposée te connaître. Oh, c'est vrai ou ce n'est pas vrai? Deuxième sentiment, c'est le sentiment de joie, l'occasion qu'il m'a donné, l'occasion, je vais lui dire qui je suis. C'est vrai, n'est-ce pas? Il y a des gens qui disent, c'est ça que j'attendais. Aujourd'hui, je vais étaler ce que dit. Ose poser la question à quelqu'un. Vous savez, il y a des pays, comme certains pays d'où nous venons, les gens veulent qu'on reconnaisse qui ils sont.
Il y a des gens qui marchaient, ils marchent. Si toi, tu ne veux pas reconnaître qui il va te poser la question, est-ce que tu me connais? Moi, je suis l'enfant de... Il cite son nom, et son prénom, et il insiste sur le nom de famille. Pour que si tu n'as pas d'oreille, que tu fasses quoi? Que tu comprennes. Et si tu n'entends pas, et où tu entends, mais tu fais semblant, il va insister. Parce qu'il y a des noms, il y a des grands noms dans les familles. Même aujourd'hui, amen. Pourquoi on vient de voter Trudeau? Parlons clairement. On vient de les voter parce qu'entre autres, le nom a fait quelque chose. Amen. Maintenant, si toi tu arrives devant Trudeau, devant Justin Trudeau, tu lui poses la question, tu dis, bon, Justin Trudeau, toi, qui es-tu? Bien le nom Trudeau, tu commences à te poser la question, Trudeau c'est qui? On va te poser la question, toi tu es un immigrant, hein? Ça veut dire que, donc toi, tu ne connais pas l'histoire de ce pays. Amen. Donc les gens aiment qu'on fasse quoi? Qu'on les reconnaisse. Mais si tu es dans une position embarrassante, comme ici dans ce cas, Jacob est dans une position où il a pris la place de son frère. Il vient avec l'aimé. Maintenant, le père lui pose la question. Il lui dit ceci. Il dit, mais voici, qui es-tu mon fils? La Bible nous dit, verset 19, Jacob répondit à son père que je suis qui? Aïe, 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 aïe. Je suis qui? Esaïe, ton fils aîné. Il dit, j'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je t'ai pris, assis-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Verset 20. Isaac dit à son fils, quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit, il dit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche-toi. Quelqu'un dit, approche-toi. La Bible nous dit, Isaac répondit, approche donc. Nous parlons de s'approcher, n'est-ce pas? Il dit, approche donc. Là, ça devient encore de plus en plus embarrassant. Il dit, approche donc et que je te fasse quoi? Je te touche, mon fils. Pour savoir si tu es mon fils, Esaü ou non. Aïe, aïe, aïe. La Bible nous dit que Jacob fit quoi? Il s'approcha d'Isaac, son père, qui fit quoi? Qui le toucha et dit, la voix est la voix de? La voix, c'est la voix de qui? De Jacob. Mais les mains sont les mains de qui? D'Esaü. Il ne les reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Esaü, son frère. Continuez un peu la lecture, un peu plus bas. Et il le bénit. Il dit, c'est toi qui es mon fils Esaü. Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier, etc., etc. Amen. Ce que je voulais nous montrer ici, c'est que quand la Bible nous dit, approchons-nous du trône de la grâce avec assurance, parce que nous nous approchons dans le sens que nous ne sommes plus nous. En Christ, tu n'es plus toi. Comprends bien ceci. En Christ, quand nous venons prier, tu n'es plus toi. Il y a une façon que Dieu te voit, c'est ça cette image. C'est pourquoi Jacob est allé devant son père. Il a affronté toutes ces questions. On lui pose la question, qui es-tu? Il dit que je suis Esaü, ton fils aîné, parce que c'est lui qui devait recevoir la bénédiction. Amen. Mais la mère a jonglé, elle a dit non, non, au lieu que cette bénédiction aille sur celui-ci, il a déjà vendu le droit d'aînesse, eh bien, la bénédiction doit aller sur le plus petit. Bien-aimé, c'est une illustration pour nous dire que nous qui sommes arrivés en ces jours, frères et sœurs, nous ne méritons pas à cause de nous, mais nous méritons à cause d'un grand frère. J'aimerais que quelqu'un accepte et dise amen. Amen. Tu as un grand frère qui a mérité pour toi. Lorsque Isaac a touché, il a appelé Jacob, il dit approche-toi parce que ses yeux ne voyaient plus. Alléluia. Ses yeux ne voyaient plus, il dit approche-toi. Il s'approche. Quand il le touche, il dit, eh bien, la voix, c'est la voix de qui? De Jacob. Mais ailleurs même, quand il a senti ses vêtements et il l'a touché, il dit, la voix c'est Jacob, mais l'odeur c'est l'odeur de mon fils aîné. Alléluia.
Il dit l'odeur, c'est l'odeur d'Ésaü, mon fils. Même la peau, c'est la peau de mon fils aîné. Combien savent que Jésus-Christ est notre grand frère aîné? Alléluia. Bien-aimé devant Dieu, quand nous nous approchons de Dieu, la voix, c'est notre voix. La voix, c'est ta voix qui prie. Quand Dieu entend, il entend ta voix. Mais quand il sent l'odeur, quand il te touche, il te touche, il touche le fils bien-aimé de Dieu. Quelqu'un dit amen. C'est pourquoi nous nous approchons avec assurance. Parce que quand je prie, c'est ma voix qui prie. C'est toi qui prie. Mais quand Dieu entend, il entend cela à travers le fils bien-aimé de Dieu. L'unique fils, je nous le montrerai. L'unique fils que Dieu a, Jésus-Christ, et nous tous en lui. Quelqu'un dit amen. Amen. Quand tu perds cette vérité, tu perds l'assurance dans ta vie. Amen. Même le salut, bien-aimé, nous n'avons pas mérité, mais c'est grâce à Jésus-Christ, le fils aîné de Dieu. C'est lui notre grand frère. Quand nous venons dans la maison de Dieu, nous portons les habits de notre grand frère. Oh, alléluia. Tu portes les habits de ton grand frère. C'est ce qui fait que nous nous approchons de Dieu avec assurance. Notre assurance vient premièrement de l'œuvre de la croix. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? L'assurance de la guérison vient de l'œuvre de la croix. L'assurance du salut vient de l'œuvre de la croix. L'assurance de la délivrance, bien aimé. Même quand les démons te tourmente jour et nuit, j'aimerais que tu le saches, aie l'assurance de ton salut. En Dieu, nous ne sommes pas n'importe qui. Quelqu'un dit amen. Même quand le péché, le diable amène la culpabilité, bien aimé, ne va pas, tu veux prier, l'ennemi te montre ce que tu as fait et tu te décourages. Lève-toi, tu lui dis que même si tu me montres ce que j'ai fait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que je me présente devant Dieu, pas avec ma justice, mais la justice du Fils de Dieu. Bien-aimés, c'est des vérités spirituelles que des fois, nous ne prêchons plus, alors que c'est ça qui rassure notre vie et notre foi. Amen. Tu ne mérites rien, mais Christ a tout mérité pour toi. Amen. Que quelqu'un dise amen. Amen. Quand tu dis amen, que tu reçoives ce que Christ a mérité pour toi. Amen. Allons un peu dans Éphésiens pour voir. Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er, regardons un peu. Des fois, il y a des choses que nous avons pris l'habitude de lire rapidement en passant. Nous oublions que ce sont les choses qui contribuent au trône de la grâce. Approche-toi du trône de la grâce. Éphésiens chapitre 1er, et à partir du verset 3, je vais lire et descendre un petit peu plus bas. Vous voyez ça, il dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ. » Il bénit Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ, qui nous a fait quoi? Qui nous a fait quoi? Qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Amen. Dans les lieux célestes, en qui? En qui? En qui? J'ai dit en qui? Que quelqu'un dise en Christ. Bien-aimé, j'aimerais souligner le fait d'être en Christ. Être en Christ, c'est différent d'être dans l'église. Soyons dans l'église, mais soyons en Christ. Quelqu'un dit amen. Amen. J'ai dit soyons dans l'église, mais soyons... Oh, parce que tu peux être dans l'église, mais sans être en Christ. Ah, quelqu'un dit amen. Amen. Tu peux être dans l'église, mais sans être... en Christ. Même quand l'ennemi vient contre toi, rassure-toi que toi tu es en qui? En Christ. Tu es en Christ, ça veut dire, la Bible nous montre clairement que nous sommes en lui. Donc Christ est tellement grand, c'est un mystère. Lui en nous et nous en lui. Oh, alléluia. Christ en nous et nous, quand tu cherches à comprendre, ça se fait comment? Moi je ne saurais pas t'expliquer ça. Je sais seulement que quand l'ennemi vient contre moi, il va me trouver que je suis en Christ. Il ne saura pas m'atteindre. Il n'y a aucune flèche. Aujourd'hui, beaucoup de gens perdent la foi et la confiance en Dieu.
parce qu'ils ne réalisent pas la grandeur ou la portée du fait d'être en Jésus-Christ. En Christ, tu es couvert par son sang précieux. En Christ, tu es sous la protection divine. La Bible dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint parce que tu es en lui. Oh, quelqu'un dit amen. Tu ne seras pas atteint, tu es en Christ. Ça, c'est le bonheur d'être en Christ, bien-aimé. C'est pourquoi il nous dit, approchons-nous avec assurance. Ne t'approche pas comme un orphelin. Quelqu'un dit amen. Ne t'approche pas comme une brebis qu'on mène à la boucherie qui va bientôt être tuée. C'est la fin de l'année, tu commences à trembler. Tu sais déjà que dans votre famille, là, on mange les gens. Amen. Et toi aussi, tu commences à penser que non, eh bien, peut-être, je ne sais pas. Une petite douleur au dos, tu commences à dire, ah, il faut vraiment, il faut que je prie. Bien-aimé, j'aimerais te rassurer, tu es en Christ. C'est comme quelqu'un disait ici, en Christ, nous sommes comme dans une bouteille. Alléluia. Ça, c'est Christ, et toi, tu es dedans. Pour que l'on vienne te prendre, on doit d'abord casser la bouteille. Afin de t'arriver, d'arriver jusqu'à toi. Quelqu'un dit amen. Touche quelqu'un, dis-lui, sois assuré. Tu es en Christ. Ne promène même pas de regard inquiet. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu vivras et tu vivras riche. Parce que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Quelqu'un dit amen. Je vais te dire une autre chose. Ça veut dire que ta bénédiction ne commence pas sur la terre. La bénédiction d'un enfant de Dieu a sa source dans le ciel. Aïe, 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 aïe. Ta bénédiction a sa source où? Au ciel, sur le trône de la grâce. Alléluia. Ta santé n'a pas la source à cause des gyms là où tu vas. Ta santé a sa source où? Sur le trône de la grâce. Ta bénédiction, l'argent dont tu as besoin, ou que Dieu a commencé à te donner là, n'aie même pas peur que peut-être ça va finir. Ça ne va pas finir parce que Dieu ne se répand pas de ses dons ni de son appel. Parce que cela a sa source dans le ciel. Des fois, les gens se plaignent. Quand tu ne comprends pas la source de ta bénédiction, c'est là que tu vas craindre. Amen. Je dis souvent ceci, très souvent. Les gens, une jeune fille attrape un fiancé, et elle commence à pleurer jour et nuit. Je vous ai donné déjà beaucoup d'exemples ici dans le passé. Quand, ma soeur, quand Dieu te donne un fiancé, un homme, ou mon frère, Dieu te donne une femme, si c'est quelqu'un ou une relation qui a sa source au ciel, hein, dors tranquillement. Amen. J'ai dit dors tranquillement. Quand on travaille là, s'il a sa source en Christ, dans les lieux célestes, hein, dors tranquillement. Ne tremble même pas. Parce que quand tu n'as pas l'assurance, c'est là que tu vas commencer à trembloter. Il y a un petit rien qui bouge. Ah, on va me les ravir. Personne ne va te ravir quelque chose que Dieu t'a donné. Quelqu'un dit amen. Personne ne va te ravir. Même nous-mêmes, hein, il n'y a aucun démon qui peut nous ravir de la main de Dieu. Aïe, 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 aïe. Touche d'abord quelqu'un, dis-lui, sois rassuré en Christ. Des fois, nous tremblons, même avec l'Église, des fois, nous tremblons. Frère, l'Église ne mourra pas. Je vous dis la vérité, l'Église ne peut pas mourir parce qu'elle a sa source dans les lieux célestes. Jésus-Christ a dit, tu es pierre, et sur cette pierre, je ferai quoi? Je bâtirai mon Église. Ouh! Alléluia! Il dit, je bâtirai mon Église. Il ne s'est pas arrêté là. Il dit, et les puissances de l'enfer. Ouh, alléluia. Il dit, les puissances de l'enfer. Pas les puissances des sorciers. Pas les puissances des magiciens. Pas les puissances des rosicriciens. Pas les puissances des maïcariens. Mais les puissances, hein, de l'enfer. Parce que le combat s'est fait là-bas dans les lieux célestes. Là où nous ne voyons pas. Ça veut dire que quand le diable veut détruire, lui aussi, il commence où? Dans les lieux célestes. Alléluia. Il commence dans les lieux célestes. Nous aussi, quand Dieu veut te bénir, ça commence dans les lieux célestes. Alléluia. L'Église, la même chose.
L'église a sa source dans les lieux célestes. Et le diable qui veut la détruire, il veut aussi la détruire du lieu de l'enfer, là où l'on ne voit pas. C'est pourquoi Jésus est allé plus loin. Il a dit, je bâtirai mon église et les puissances de l'enfer ne prévaudront rien contre elle. Alléluia. Touche d'abord quelqu'un, lui, soit en Christ, soit en Christ, soit en Christ. C'est en Christ, bien-aimé, que nous avons l'assurance. Il dit, en Christ, en lui, Dieu nous a élus. Aïe, 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 aïe. Il y a des choses de voir, quand moi je les lis, j'ai envie de danser. Aïe, 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 amen. Il dit, en lui, nous avons été élus. Ça veut dire Jésus devient comme notre parti politique. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Jésus devient comme notre parti politique. Si tu veux l'élection, tu entres en lui. On va te élire. On va te choisir. Tu n'es plus candidat pour la mort. Nous sommes des élus de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, même quand nous nous asseyons dans le temple de Dieu, asseyons-nous bien. Quand vous servez Dieu là, servez-le avec assurance. Parce que vous êtes élu. Personne ne viendra te dire que toi là, peut-être le diable va te voler, tu vas aller mourir dans le péché. Je ne mourrai pas dans le péché parce que j'ai déjà reçu l'élection divine. Mon nom est écrit dans les lieux célestes. Alléluia. Mon nom est écrit dans les lieux célestes. J'aime le chant là que nous chantons souvent. Je n'ai rien fait, mon nom est écrit là. Là-haut, mon nom est écrit là. Je n'ai rien fait, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Tu n'as rien fait, ton nom est écrit là-haut, là-bas. Je n'ai rien fait, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Écoutez-moi, des fois il y a des confusions dans ton nom. Amen. Des fois il y a des confusions dans ton nom. Comme je le disais tantôt là, parfois on peut te poser la question, et toi qui es-tu? Tu ne sais pas si tu es Jacob, si tu es Esaïe, mais tu es en Christ. Alléluia. Mais tu es en Christ. Vous savez, il y a des fois des choses qui nous embarrassent. Des fois le nom, même moi-même des fois j'écris. Moi là que vous voyez, j'ai beaucoup de noms. J'ai beaucoup de noms que mes parents m'ont donné.
Amen. Des fois, je les regarde, je dis, mais pourquoi j'ai arrêté seulement à Eli Kabongo? Pourquoi tous ces noms, c'est des bons noms? Amen. Pourquoi je ne les ai plus mis? Mais malgré ça, même ces noms-là, que je les ai mis, que je ne les ai pas mis, ça ne veut rien dire. Mais je suis en Christ. Si tu veux, tu mets ton nom, hein, tu ajoutes en Christ. Je suis Eli Kabongo en Christ. Alléluia. Si ton nom cause des problèmes, ajoute seulement hein, en Christ. Parce que c'est en lui que tout a été fait. C'est en lui que tu as été élu. Ton nom est écrit là dans les lieux célestes. Bien-aimé, ça l'ennemi ne peut pas l'annuler. Quelqu'un dit amen. L'ennemi ne peut pas annuler ça, il le sait. Parce que pour qu'il annule, il faut qu'il aille là où on a écrit ton nom et qu'il efface. Il va aller effacer. D'abord l'accès, il entrera par où? À plus forte raison. C'est pourquoi je disais ici, Jésus est allé plus loin. Il n'a pas choisi les sorciers, les magiciens. Ou il a cité directement l'enfer. Leur plus haut chef, la hiérarchie, ne peut rien. À plus forte raison, les plus petits ici. Quelqu'un dit amen. Et l'assurance. Et l'assurance, c'est déjà payé. Approche-toi du trône de la grâce avec assurance pour être secouru dans tes besoins. Ce qui te manque, c'est cette assurance-là. Tu n'as pas besoin de l'acheter, ça a déjà été acheté. Permettez que je vous dise une chose. Récemment ici, j'appliquais pour une assurance. Amen. J'appliquais pour une assurance, j'étais en train d'assurer une voiture. Alors une dame là, je parle avec elle, après elle me dit, merci monsieur, on est presque à la fin, mais nous avons un plan, je vais te le dire, si tu veux, tu peux prendre ça. Il dit, quel plan? Il dit, maintenant, comme tu as assuré tes voitures, si tu ajoutes $50 seulement, tu auras aussi la couverture du pardon. Personne n'a entendu parler, il y a quelqu'un qui travaille dans les domaines d'assurance? Maintenant là, ils ont, vous savez, ces mondes, hein, ils vont sortir toutes sortes d'histoires et découvrir des histoires, des choses pour mettre la main dans ta poche. Et me dit, j'ai dit $50 de quoi? Il dit la couverture du pardon. Ça veut dire quoi? Il dit ça veut dire quand tu payes $50 de plus sur ta couverture ici, désormais, même quand tu vas faire un accident, la première fois tu seras pardonné. Je lui ai dit moi dans ma logique, hein, le pardon ne s'achète pas. Amen. Je lui ai dit ça. J'ai dit, si vous voulez me donner la couverture du pardon, donnez-le gratuitement. Parce que l'assurance du pardon, je l'ai déjà. Ce n'est pas vous, ce que vous allez faire là, qui va me rassurer le pardon même de l'accident. Au contraire, Dieu va seulement me protéger parce que je suis déjà pardonné. Les plus grandes choses là. Quelqu'un dit amen. Bien-aimé, tu es pardonné. Ne marche pas la tête sur les épaules parce que tu te condamnes le jour et la nuit. Dis-toi que ce qui t'était arrivé là, c'était le temps de l'ignorance. Christ a tout effacé, nous sommes en Christ. À ton nom là, tu ajoutes maintenant ton nom X et Y hein, en Christ. Amen. Quelqu'un dit amen. Approchons-nous du trône de la grâce avec assurance pour être secourus dans nos besoins. Alléluia. Attendez, nous allons terminer en lisant ce texte, toujours dans Hébreux. Amen. Toujours dans Hébreux, terminons avec Hébreux 12. Et puis nous allons prier, nous avons fini. Hébreux 12, verset 18. Hébreux chapitre 12, le verset 18. Écoutez un peu ce que la Bible dit. J'ai dit 12, 18, n'est-ce pas? Il dit... Vous ne vous êtes pas approché. Quelqu'un dit approché. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne. Aïe, aïe, aïe. Qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu. Vous ne vous êtes pas approché ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. Je vais te dire, tu ne t'es pas approché de la tempête. Il y a des gens qui commencent à penser que depuis que je suis venu en Christ, il y a trop de tempêtes dans ma vie. La Bible te dit ici, tu n'étais pas approché de la tempête. Continuons. Ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tel que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur soit pas adressé une de plus. Car ils ne supportaient pas cette déclaration, même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Verset 23.
Verset 21. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Maintenant, écoutez verset 22. Ça, c'est un canon. Aïe, 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 quelqu'un dit amen. Amen. Verset 22, il dit, mais vous, vous êtes approchés de quoi? De la montagne de Sion. Vous êtes approchés de quoi encore? De la cité du Dieu vivant. De quoi encore? De quoi encore? Et de quoi encore? Lisez, lisez, lisez. De quoi encore, verset 23? De l'assemblée des premiers-nés. À la perfection. Quelqu'un dit amen. Il dit, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Vous vous êtes approchés de quoi encore? De la cité des dieux vivants. Vous vous êtes approché du Jérusalem céleste, vous vous êtes approché des myriades qui forment le cœur des anges. Vous vous êtes approché de l'assemblée des premiers-nés. Nous avons parlé ici de Jésus, notre grand frère aîné, n'est-ce pas? Nous nous sommes approchés de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les lieux célestes. Aïe, 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 aïe. Du juge qui est le Dieu de tous les esprits justes parvenus à la perfection. C'est là que nous sommes approchés. Tu n'étais pas approché des problèmes. Rassure-toi, quel que soit le diable, ce qu'il met dans ton panier, toi, dis-toi qu'en Christ, je ne me suis pas approché des problèmes. Et l'assurance. Quand tu adores, adore avec assurance. Quand tu pries, prie avec assurance. Quand tu loues, loue avec assurance. Quand tu déclares, déclare avec assurance. Crois avec assurance. En cette fin de l'année, approche-toi davantage du trône de la grâce de Dieu afin que tu sois secouru dans tes besoins. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Tu t'es approché de la montagne de Sion. Nous allons nous lever dans la présence de Dieu. Nous allons chanter, j'ai l'assurance. Alléluia, j'ai l'assurance. Et ce que tu feras ce midi, tu vas seulement confesser l'assurance de ta guérison et tu verras ce que Dieu va faire. Amen. Tu vas seulement confesser l'assurance de ton emploi. Tu as le travail. Tu ne vas pas vivre dans le chômage. Quelqu'un dit amen. Tu vas confesser l'assurance de ton mariage. Quelqu'un dit ton mariage. Tu vas confesser l'assurance de ta progéniture. Tu es béni en Christ. Si c'est ton nom qui pose des problèmes, hein, tantôt tu es Esaïe, tantôt tu es Jacob. Tu ne sais plus quel est le nom, quelle identité utiliser. Tu mets seulement ton nom, tu ajoutes en Christ. Nous nous levons, tenons-nous debout dans la présence de Dieu. Chantons, j'ai l'assurance de mon salut. Et à la fin, tu vas proclamer. Tu vas juste proclamer. Tu vas juste proclamer. Tu ne t'es pas approché de n'importe quoi. Tu t'es approché de Dieu. Alléluia. Yeah.
excellence. Avec toi, une histoire d'assurance, une histoire de victoire, une histoire de témoignage. Commence à déclarer, à parler. Parle à ton Dieu. Tu ne t'es pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher pour mourir, mais tu t'es approché de la montagne de Sion. Tu as tout en lui. Déclare ta guérison. Déclare ce que tu n'as pas, que tu l'as en Christ. Ta sécurité, ton travail, ta santé, la paix dans ta maison, le salut de tes enfants, ton travail et l'assurance que tu t'es approché du trône de Dieu avec assurance. Quelqu'un parle, quelqu'un parle. Tu es en train de faire l'histoire avec Dieu. Parle à tes dieux, parle à ton Dieu ce soir. Alléluia. En Christ, en Christ, en Christ. Alléluia. En Christ, tu as le salut. En Christ, tu as la victoire. En Christ, tu as le succès. En Christ, tu as la protection. Tu ne mourras pas, tu vivras. Personne ne peut te tuer. À la fin de l'année, aucune maladie n'aura d'impact sur toi. Tu es béni parce que tu es en Christ. Alléluia. Relève la tête. Relève la tête. Car Christ est avec toi. Béni soit le nom du Seigneur. 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 Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Commençons à dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu de te donner l'assurance de ta foi, l'assurance de ton salut, l'assurance de ton pardon, l'assurance de ton mariage, l'assurance de ta vie, l'assurance de tout. Parce que tu es revêtu de l'habit du grand frère. Tu es revêtu de l'habit du grand frère. Quand il entend la voix c'est ta voix. Mais quand il sent l'odeur, c'est l'odeur de Jésus. Quand il entend la voix c'est ta voix. Mais quand il touche le sang de Jésus qui est mort à la croix pour toi et pour moi. Alléluia. Quelqu'un bénit le Seigneur. Quelqu'un bénit le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous te rendons gloire. Nous te magnifions, Seigneur. Nous t'exaltons, ô Dieu, car tu nous as tant aimés. Merci, Seigneur,
de l'assurance que nous avons en toi par ta grâce, ô Dieu, dans ton amour, Seigneur. Car rien ne peut nous condamner. Nous sommes élus en toi, Seigneur. Nous sommes élus, ô Dieu fidèle. Seigneur, tu nous as élus avant la fondation du monde. Tu nous as rachetés. Tu nous as bénis. Tu nous as pardonnés. Tu nous as sanctifiés. Tu nous as lavés. Tu nous as purifiés. Tu nous as comblés de joie. Et nous sommes bénis en toi, Seigneur. Merci, ô Dieu fidèle. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci Seigneur. Lève ta main pour la dernière bénédiction. Maintenant que l'amour de Dieu notre Père, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous soient accordées et manifestées. Je déclare que tu es béni en Jésus-Christ. Je confesse qu'en Christ, tout ce que tu n'avais pas, tu l'as maintenant. Parce que tu es en Christ. Je prophétise en cet instant que ta vie connaît un nouveau tournant désormais. Au nom de Jésus de Nazareth, parce que tu es en Christ, Christ t'apporte ce qui te manquait maintenant. Tu as l'assurance d'avoir la victoire en Jésus, parce que tu t'es approché de son trône, du trône de sa grâce. Tu es béni. Le Seigneur relève ta tête. Il écrase sous tes pieds tous tes ennemis. En cette fin de l'année, le Seigneur glorifie son nom dans ta vie. Tu es béni, tu es élevé. Tu es plus que vainqueur en celui qui t'a aimé. Sois béni de l'Éternel. Au nom de Jésus, notre Sauveur, en lui, nous avons l'assurance de la victoire, de la santé, de la joie, du bonheur, du succès, des bons mariages, d'une progéniture, d'une bonne santé, de beaucoup d'argent, de beaucoup de richesses, de succès dans les affaires, de prospérité dans la vie. Que le bonheur et la grâce te soient accordés et te suivent aujourd'hui et à jamais. En Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.